Bonjour, tu vas bien? Et je vais bien aussi. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble un nouveau livre. Regarde qu'est-ce que c'est. C'est les animaux. Et oui, c'est pas les animaux, c'est les animaux. On va découvrir avec toi les animaux qu'il faut protéger et les animaux de la ferme aussi. Donc, c'est parti! Nous allons tourner la première page de ce livre rigolo. Oh, regarde, qui se trouve là? La chèvre belle avec le porcelet dans son éclos. Et comment fait la chèvre? Bé! Et comment fait le cochon? Nous allons tourner pour découvrir la jument Henny avec le lapereau dans son terrier. Comment le jument fait? Il va avec le lapereau. Il fait sa carotte comment? Comment il mange sa carotte? Crac, crac, crac. Nous allons tourner pour voir la truie grogne avec l'agneau dans la bergerie. On voit la lapine glapie avec le veau dans l'étable. Elle dit « Salut le veau !» Et le veau le répond « Mouh !» Oh, qui se cache là? La brebis belle avec le chevreau dans la montagne. « Mais Et nous voyons la vache meugle avec le poulain dans le pré. Mouh! Pion! Pion! Nous allons tourner le livre pour découvrir d'autres animaux. Regarde ce qui! La maman panda. Elle grogne avec son ourson sur la glace. Regarde, maman panda. Et bien sûr, c'est pas son ourson. C'est l'ours blanc. Bébé de l'ours blanc, bien sûr. On va essayer de trouver de ses parents. Et voilà, l'ours blanche gronde avec le bébé pingouin sur la banquise. Maman ours, vas-y, cherche ton petit. On l'a vu. Et comment fait maman ours? Oh, la maman léopard, elle est toute tachée, toute rigolote. La maman léopard rougit avec les bébés tortues dans la mer. Regarde plein de petits tortues. Tu sais compter? Est-ce qu'on va essayer? On y va, ensemble, compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Waouh, il y en a beaucoup des petites tortues. Oh, quelle est belle la maman pingouin. Jabote avec le bébé panda dans les bambous. Oh, le petit bébé panda, ta maman t'a passé bonjour. La maman tortue nage avec son tigre dans le jungle. C'est bizarre. Maman tortue nage avec son tigre qui nage pas. Mais ce n'est pas grave. On va essayer maintenant de trouver pour chaque maman son bébé. Est-ce que tu vas m'aider? C'est parti. On va essayer de trouver les bébés tortues. Regarde, ils sont là. Et maintenant, nous allons aider à maman pingouin trouver le petit bébé pingouin. Oh, il est là! Et est-ce qu'on va aider à maman léopard trouver son bébé léopard? Il est où? Il est là, le petit bébé léopard! Et maman ours blanche,
Elle a perdu son bébé, ourson blanc. Est-ce qu'on va l'aider à trouver? Oh, le petit ours blanc! Et la maman panda qui a perdu son bébé. Est-ce que tu vas aider à le trouver? On cherche parmi tous les animaux. Non, non, non. Et voilà, on a trouvé maman et bébé se retrouver ensemble. Quelle joie! Nous allons tourner le livre et nous allons chercher les petites chèvres. Bébé chèvre, parce que la maman l'a perdu. Est-ce que c'est le bébé chèvre? Non. Est-ce que c'est le bébé chèvre? Non. Et voilà, le chevreau. Regarde comme il est tout beau. Les deux petits chèvres tout mignons, maman et bébé. La jument a perdu son poulain. Oh, regarde, ils se sont retrouvés. Bravo! La truie. Oh, maman truie, comme tu es très belle. Tu as dit que tu as perdu son bébé? C'est vrai? Attends, on va t'aider à le trouver. On va chercher. Non, c'est pas le chevreau, ton bébé. Et c'est pas le veau, ton bébé. Et c'est pas l'agneau, ton bébé. Et c'est pas la pierrot, ton bébé. Oh, le porcelet! C'est lui, ton bébé. Tu es joyeuse, maman? Oui, tu es joyeuse. Maintenant, nous allons aider à maman lapine de trouver son lapereau. Regarde, il se cache juste derrière. Il est bien par là, avec sa jolie carotte. L'apéro. Et regarde, maman brebis aussi a perdu son bébé. Je pense qu'on va l'aider aussi. Oui, on va l'aider? D'accord, c'est parti. Oh, regarde, il fallait pas trouver pendant longtemps. Il est là, le petit agneau. Bonjour, le petit agneau. Oh, tu dors. Chut, il faut pas faire réveiller le petit agneau. Sa maman va être à côté de lui pendant qu'il dort. Et elle va chanter peut-être une petite chanson pour le bercer. D'accord, on va vous laisser les petits brebis et on va aider encore à une maman qui a perdu son bébé. Oh, c'est madame la vache. Comment fait la vache? Oui, on a bien compris, madame la vache. On a bien compris, maman la vache, que tu as perdu son bébé. On va essayer de le trouver. Attends, est-ce que c'est ton bébé? Non. Est-ce que c'est ton bébé? Non. Est-ce que c'est ton bébé? Oui, oui, oui. Oui, bravo! On a trouvé le bébé veau. Regarde comme il est tout joyeux de voir sa maman, de retrouver son étable. Bravo à toi! Tu as aidé à tous les animaux de trouver ces bébés. Comment tu es gentil et courageux pour faire tout ce parcours pour trouver tous les animaux. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'animaux, comme par exemple panda, qu'ils n'ont pas nombreux sur la terre. Donc il faut les protéger et il ne faut pas les faire mal. Et maintenant c'est fini l'histoire. On a trouvé les bébés pour toutes les mamans qui l'ont perdu. Et on se verra avec toi dans le prochain vidéo pour une autre jolie histoire et surtout très intéressante. Donc, à la prochaine!